réussi à prendre Casablanca, ils ont réussi à prendre Tanger, les rebelles, mais bon. Ce n'est qu'un petit revers de 10 ans. Messieurs, allez là-bas. Vous refaites-vous une santé et après on ira attaquer les patriotes marocains qui restent. Il reste combien? 14 000. Ah bah bien, très très bien. Bon, je vais sans doute attaquer Pskov. J'attends la fin du mois et je réattaque l'armée. C'est parti. Et la dernière bataille contre ces bougres de rebelles. Tellement aberrant les dés qu'ils font, ces enfoirés. Hein. 9000 rebelles qui se... 9000 péons qui se rebellent dans le comté de Vénissa. Lassitude de guerre de merde. Globalement, je vais sans doute annexer le danois, moi. Toi, t'as bien grossi, là, c'est bien, ça. Ah bah ça va. Moi, je m'en sors bien. Mais bon, depuis le début de cette soirée, j'ai pas trop grossi non plus. Ouais, bah ça se fait tranquillement. De toute façon, t'as pas trop rapidement non plus. Ça y est, comté de Vénissa, au moins cette armée a été détruite. Parfait. Trop de navires. Bon. Je regarde l'Angleterre. L'Angleterre a 37 000 hommes, effectifs 28 000. Ouais, moi j'ai que 17 000 d'effectifs, enfin 16 000. Oula, c'est vrai que mon armée a pris cher, cette histoire. Je formerai pas la Scandinavie, hein, si vous avez des questions là-dessus. C'est pas la peine, hein. Moi je garde la Suède. Garde la Suède. J'aurais bien ma technologie militaire niveau 12. Tandis que eux, ils sont niveau 12 et donc ce serait mauvais si je venais à leur déclarer la guerre maintenant. Tandis qu'ils ont une truc d'avance. Ouais, on va vérifier ça, on va faire attention à cette histoire. On va y faire bien attention. Ils vont pas tarder à tomber de toute manière. Bien. Je fais gaffe à cette histoire quand même. Alors, les marchés, où est-ce que je pourrais en faire? Je pourrais faire ici, ici. Ça demande quoi les marchés? Ok, c'est parfait. Je vais en avoir un surplus, donc... si je peux en dépenser un peu d'argent à ce niveau-là. Pour perdre de la puissance diplomatique que j'aurai en trop, ça peut être sympa. La Suède tombera. Ça ouais, m'étonnera, ouais. Ça m'étonnera que la Suède tombe. Non, non, la Scandinavie se créera pas. J'ai dit non, c'est non. Parce que leur drapeau est moche et leur couleur est moche. Je préfère celle de la Suède. Bon, j'en suis où ma tech militaire là, cette histoire? 56, putain, ça me met longtemps encore. Si je les attaque maintenant, je me ferai démembrer la gueule. Technologie administrative niveau 12. Bien. Et ouais. Moi je gère à ce niveau-là. Je peux pas la vassaliser. Ils me détestent trop ces enfoirés de Bretons. Impôt de base par rapport à Bretagne. Il y a beaucoup de. Moins 74. Non, non, arrête. Comment on peut baisser l'impôt de base, c'est pas des enfoirés, le malus impôt de base? Hein?
Bah lui, c'est un pot de base, tu grandis et tu mets des impôts, des temples. C'est les temples? C'est tout ce que je veux dire. Ouais, et tu grandis, quoi, c'est tout. Et c'est marrant parce que la Bretagne, ouais, il n'y a que 4 territoires, mais tu les vassalises pas comme ça. Hein. On n'est pas des lobettes non plus, hein. Non, je vais pas l'attaquer, la Bretagne. J'ai envie d'y aller diplomatiquement avec ces creveurs. Non, les attaquer, ça leur fera oui, trop plaisir. Oui, comme le dit Octavius, les Bretons, ils t'emmerdent. Sinon, tu peux vassaliser par la force, mais... Ouais, mais n'a pas envie. Mais vu que t'as déjà fait tous tes trucs, tes garanties et tout, c'est pas vraiment bénéfique. Non, mais c'est surtout que j'ai une alliance avec eux depuis longtemps. Ah, le siège de Tanger est terminé, parfait. Non, j'ai tellement de points de puissance et de technologie diplomatique que je suis obligé de les dépenser, sinon j'ai un surplus. Le truc de dingue. Je me retrouve niveau 13 en technologie diplomatique. Yeah. À ce niveau-là, ah ouais, je suis très très fort. À chercher pas, alors là je vous défonce la gueule. Mais moi c'est parce que j'ai trop de relations en fait. Hein. Non, la Grande-Bretagne, il faut que j'attende d'avoir une technologie niveau 12 en armée. Sinon là, eux ils sont niveau 12, les Anglais ce serait folie de les attaquer. Une pure folie. Il y a Amir qui dit j'espère que Kodran va se taper une révolte de 100 000 rebelles. T'inquiète pas, ils vont finir au bûcher ceux-là ou dans la mer du Nord. Avec deux poids au pied. Ça a l'air gentil pour toi. Non. Il s'appelle quand même On veut la putain de Scandinavie. C'est comme ça qu'il veut qu'il s'appelle. Ouais, non, mais les Anglais ils vont faire chier, mais pour l'instant je peux pas faire de colonie, donc. C'est triste. Très. Donc j'ai pas la tech pour en faire. Donc va falloir attendre. Faut être breton. Je peux purger les hérétiques en flamme. Regarde, docteur fou, tu as trop de relations, dis-nous en plus, espèce de cochon. Tu te protèges au moins. Ah bah tu sais, là, en Suède, trop de relations. Hein. Juste à côté, il y a l'ambassade de Catherine, ça va pas le faire. Hein. T'as genre à Doukala. Bon, moi je vais attaquer Pskov après, puis je serai aux portes de la Lituanie, et ça va commencer à péter. Ouais, les hommes à Zouka là. Donc il y a de l'agitation dans l'air, on va essayer de régler ce problème. Putain, il va me falloir encore 12 ans pour aller les convertir ces mecs à Zouka là. 12 putain de longues années. Bon, au moins mon roi là il est en train de se légitimer, je suis à 55. 52, ouais. En fait, je viens de découvrir que dans la papauté, tu peux gagner 10 de légitimité en dépensant 60 influence papale. Ah ouais? Ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, mais enfin, faut les avoir, les 60. Moi je les ai donc. Oh, tiens, je les ai en fait. Faisons-le. Avant j'étais à 45, boum, 55. Ça, c'est la classe. Me le permettre. Sinon, je gagne. Ça va mettre trop longtemps avant d'avoir cette tech. Or, cette tech, je la veux au plus vite.
En 2 ans, je veux faire cette guerre contre les Britanniques. Tiens, tu me fais penser à faire des petites revendications sur eux. Quoique non, peut-être pas les revendiquer. Moi, j'ai déjà une guerre pour les revendiquer. Et après, je vais libérer. Et vassaliser, donc. Ce sera plus drôle, n'est-ce pas? Ah, ça c'est sûr. On va se marrer avec ça. Suède, à décorer Absorsk, machin truc. Ah, c'est le petit pays pourri. Hein. Alors, pas forcément pourri, en fait, ces territoires sont pas mal. C'est un bon point stratégique. Ouais, mais c'est un pays pourri. Pour la défense, c'est un royaume. Ouais, ça reste un pays pourri. Ah oui, c'est une république oligarchique. Ah non, attends, république marchande. Non, république oligarchique. Bon, de toute façon, il y aura plus, donc. Dans tous les cas, c'est un truc pourri. Ah, je suis content que l'Espagne, elle est pas Naples. Ça, ça me fait plaisir. Ouais, mais Naples, c'est dissoute en Bosnie. Dans les Balkans, il y a la Croatie qui a été formée. Oula. Trêve. Ouais. La Serbie qui est toujours là aussi. Toutes les trêves qui se terminent. Si Natsu soutient les rebelles en Suède, il va avoir des emmerdes. J'aurais pas des rebelles forcément dans ce live, mais dans d'autres parties, il va pouvoir se venger. Non, non, mais la Suède, il y en a plein, mais en France, il y en a plein aussi. Il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Hein. J'ai le vaste choix. Ça va de la Picardie, de Casablanca, de la Normandie, du Leinster, ça va à l'Auvergne, en passant partout, en fait. L'ordre de Livonie, il est allé à qui? La Lituanie? Bien. Je vais essayer de dissoudre l'alliance polono-lituanaise. Moi, je suis allé à la Pologne. Ouais, moi aussi, ouais. Et à la Lituanie aussi, moi. Toulouse indépendance. Non. Non. Non, 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 non. Ça va pas se passer comme ça, mec. Comme ça, j'arriverai en Lord de Livonie, tranquille. Allez, juin 52, dans 6 mois, 5 mois plutôt, j'aurai ma technologie militaire niveau 12. Ce qui fait que j'irai déclarer la guerre à l'Angleterre. Ah, bah finalement, ça. Je pourrais peut-être arriver, tu vois. Ouais. Parce que j'aurais fini mon petit truc, donc je pourrais venir. Parfait. J'aurai 28 000 hommes en... J'ai 28... Je vais avoir 28 000 hommes en Écosse. Bien ça. 7 000 en Irlande. Et j'espère que ça suffira pour l'Écosse. Non mais faut pas parler de tout ce qui a un rapport avec la Russie à Croc-Cricot. Hein. On sait tous comment il va réagir. La Russie c'est de la merde. Pardon, qu'est-ce qu'il y a? Pour Croc-Cricot. Tu penses quoi de la Coupe du Monde en Russie? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'argent. Bah déjà, moi, la Coupe du Monde, j'en ai rien à foutre en soi. Le foot. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'argent. Et les Coupes du Monde, de toute façon, c'est le business, c'est le sport, et puis c'est comme ça partout. Hein. Parfait. Ça y est. L'armée, faut que je change les unités, je vais les mettre... J'avais vu un truc par rapport, tu vois, à la politique du sport et aux différents pays, tu vois, notamment les pays plus ou moins émergents, tu vois, type Brésil, Inde, Russie, tout ça. C'était assez intéressant. Parfait. Mon armée, là, elle va être modernisée. Là, j'ai les mousquets, maintenant. J'ai des beaux mousquetaires. Ah, je les ai déjà aussi. Voilà, regarde ma couleur. Oh, le vert fluo.
Coucou, je suis vert fluo. C'est dingue comme la bohème, elle est pas mal, elle est toujours bien au niveau tech. La bohème, c'est un truc de taré. C'est le truc qui me tue le plus avec ce pays. Bon, t'es prêt pour faire la guerre ? C'est quoi ce bordel ? Trouble religieux ? Dis, t'es prêt à faire la guerre ? Ouais. Ok, parfait. Vas-y, mon coco. Allez, déclare la guerre pour prendre de machin truc. Mette. Allez, hop. Il y aura le Brabant, le Portugal et la Norvège qui viennent. Oui, on s'en fout, allez, vas-y. Oh merde, attends, j'ai oublié de t'inviter, je crois. Ah. Tu peux, appel aux armes. Ouais, ouais. Attends une seconde que je le fasse. Alors, appel aux armes, la Suède. Voilà. Baston. Parfait. Mais si la Suède c'est mieux que la Scandinavie, qu'est-ce que vous avez avec la Scandinavie, bordel? C'est pas croyable. Ils ont beaucoup de choses contre la Scandinavie, il semblerait. Non, contre la Suède. Ah, la Suède? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils veulent la Scandinavie, en fait. Et moi, je la ferai pas, moi. Moi, je pense que cette guerre va très bien se passer. Et toi? Oui, je pense aussi. Bah déjà, la Norvège est pliée, là. Oh, déjà? Tristesse. Ouais, la Bohème, elle s'est fait un peu bouffer par le Brandenburg. Bah, la Bohème, non, tient par pas. Le... Augsbourg. C'est dur, ouais, de jouer la Bohème. Enfin, ouais, c'est dur. Ils ont toujours une bonne tech, ces enfoirés. Le truc le plus chiant, c'est la bonne tech. J'ai recruté des reîtres. Ah bah y'a plus de reîtres. Ah si. Si, des petits reîtres. Un petit chef de guerre pour aller défoncer l'armée du Portugal. Allez hop, l'armée portugaise. La première bataille de cette game. Bataille terrestre, du moins. Ils sont en train de recruter des hommes, ces enfoirés. J'aurais peut-être dû aller les attaquer. Quoique après, j'aurais les 13 000 de ces mecs. 37 000. Ça risque d'être une grosse bataille, ça. Mais contre les Rosbif. Je vais peut-être attendre que que mon armée qui est en train d'assiéger Metz arrive. Metz. Ah non, Metz. Hein. Metz, Metz. Ah oui, Metz, oui. Metz. Non, ouais, c'est bon, ouais. Je sais que c'est Metz. Hein. J'ai habité pendant 4 ans à 45 minutes de cette ville. Donc, oui, je le connais bien. Attends, je la connais bien, surtout la Fnac. Moi, j'adorais aller à la Fnac de Metz parce que avant, j'habitais en Bourgogne et la Fnac, j'y allais tout le temps. Et quand je suis allé en Allemagne, bah il y avait plus de fan, il y avait plus de Fnac. C'est quoi qui les remplace ? Bah en soi en Allemagne, moi j'allais chez Karstadt. Ouais. C'est un genre de grand supermarché sur plusieurs niveaux en général. Mmh. Où t'as un niveau jouet, un niveau jeu vidéo, un niveau vêtements, un niveau bouffe. Et j'adorais aller là-bas, surtout pour les niveaux jouets et jeux vidéo. Ouais. Enfin, au début, jeux vidéo, c'était au dernier étage, c'était le truc le plus chiant. Mais je jouais, étant donné que j'étais encore jeune quand j'y suis allé. Lego. Ah, Lego, quoi. Tout Lego, ça. Playmobil, toute cette histoire. Bah, surtout Lego. Playmobil. Mais les Lego et les Playmobil, ça coûtait énormément cher en Allemagne, c'est un truc qui m'a toujours aberré. Ah, même en France, hein, les Lego, c'est toujours... C'est hors de prix de se merder. C'est hors de prix, ces trucs, hein. Bon, messieurs, vous êtes prêts? Nous allons nous apprêter à attaquer la grande armée britannique. Moi, perso, les trois quarts, c'était ceux de mon père. Hein. Messieurs, êtes-vous prêts? Baston! C'est la lutte finale. On y va, on va les défoncer.
ça va être serré, mais j'ai l'impression que je vais gagner. Ouais, je gagne. Victoire pour le peuple. On les poursuit. Go, 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 Power Rangers. Power Rangers, allez, go, 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 go. La 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 la. Baston, détruisez l'armée anglaise. Ouais, allez, on les poursuit. Les mecs qui poursuivent les Anglais jusqu'au bout du monde. Baston. Ils sont retournés à Yorkshire. À mort. Pour tuer de l'anglais, je chante quand même l'international. C'est la lutte finale. Allez messieurs, on gagne, on gagne, on gagne, on gagne. Ouais, on retourne au sud. Ouais. L'armée c'est New, New, Nord, Sud, Nord, Sud, Nord, Sud, Nord, Sud, Nord, Sud, Nord, Sud. Wouhou. Les Anglais, ils ont encore 18 000 d'effectifs. Enfin 19 000 plutôt. Ah, c'est quand même chaud hein. Il y a le Portos qui est là-bas. Allez hop au nord. Ah, cette fois-ci ils sont allés dans le Lancashire. Lancashire. Et ramenez-vous les Écossais. Vous aurez peut-être des territoires en échange. Enfin, en récompense de services rendus pour la patrie. Peut-être. Peut-être. Pas sûr encore. Moi j'en aurais pas donné, mais. Je suis pas encore sûr de leur en donner. Chaque fois, moi j'aime bien, tu sais, dans mes épisodes, je fais des guerres avec des alliés et tout, puis ils sont tout le temps là. Donne des territoires à tes alliés. Donner des territoires, non. C'est pour les faibles. Non, non, non. Surtout qu'après l'allié, je vais lui rouler dessus, me connaissant, donc. Ça dépend, pour le vassal, oui, c'est intéressant, mais. Ah mais après pour l'allier, enfin moi dans mon cas c'était que la Russie et l'Imereti, ils voulaient que je donne des territoires à l'Imereti. Bon. Bon après, deux minutes après je lui ai roulé dessus donc. Putain ces mecs ils font chier là, les Anglais là. Je leur roule dessus et leur armée elle disparaît toujours pas. Bon ils ont plus que 7000 d'effectifs. C'est bien ça. Plutôt oui, plutôt mon neveu. Ça veut rien. Je sais, ça veut rien dire, mais j'aime bien. Ça veut dire que toi, t'es mon oncle. Oui, j'ai détruit l'armée. Oh yes. L'armée anglaise a été détruite. Tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu vas pouvoir te défouler. Eh ouais, les sièges vont commencer. Ah ça, les mecs, ils vont douiller. Ah, ils vont douiller leur race. On va détruire les armées qui pop avant qu'ils se reforment, c'est con. Ils sont en train de former plein d'unités, là, c'est con. Mais ils vont plus avoir d'effectifs, donc ça doit être que des rebelles. Enfin, des mercenaires. Ils vont douiller. Ils vont grave douiller. Ta-ta-ra-ta-ta. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font. Ah les pauvres mecs. Pauvres anglais. Leur armée n'a pas tenu le choc. Ils ont pas supporté. Ah oui, ouais, c'est vrai, cette triple guerre avec l'Imereti et la vassalisation ensuite de la Géorgie. Ah ouais, celle-là c'était une des meilleures guerres. Le truc c'était. Oui. Ah bah ça c'était magique. Hein. Grande fierté nationale du Caudran. C'est ça. Baston, allez les Anglais, on les défonce. Hein. La culture approuvée. Vous avez approuvé la culture russe. Ça veut dire que ça va. C'est bien ça, du coup ça gueule plus à Novgorod, c'est parfait ça. Donc en gros, j'approuve la culture suédoise, finlandaise et russe. C'est bien. Il manque plus que norvégienne et ce serait parfait en fait. Allez hop, je détruis les armées qui pop. Fais gaffe au Portugal. Ouais, les Portos, ouais. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les Portos?
sérieusement. Ils sont nulle part, les Porthos. Ils sont nulle part, les Porthos. C'est un peu insultant quand même dire Porthos. Oui, oui, c'est... oui. Bon, enfin... enfin, on promo, j'ai portugais dans une branche de la famille. Pas direct, mais une autre. Ouah ! Oula ! Oulala, 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 oulala. On peut bien se permettre des petites folies de temps en temps, hein, sinon on s'en sort pas. Hein. Oh là là, oulala, c'est quoi ces mecs qui ont popé là? Ah, ils ont envoyé l'armée, ces imbéciles. Envoyez en fort, vite! Détruisez les armées anglaises qui sont revenues du Nouveau Monde. Ah, les enfoirés. Oh, si je m'y attendais sur ce coup. Ah, ils ont envoyé les renforts. Est-ce que tu peux me... oh. Une révolte. Tiens, tiens. Putain, ça fait combien pour que tu me donnes la Norvège en tant que vassal? Ça doit coûter cher, je pense. Je pense aussi, mais regarde quand même. Histoire d'avoir un ordre de prix. Alors, Norvège, faisons une paix séparée avec la Norvège. Norvège, demandez la paix. Traité, suédois, vassal, c'est pas possible, c'est 142%. Ah ouais? Ouais. Ah, j'aurais dû faire ça tout seul. Je peux te donner des terres. Non mais attends, je vais regarder de mon côté. Ah oui, ouais, ouais. Mais 142% sinon. Je crois que j'ai pas de revendication. Donne-moi les deux sur la côte, là. Les deux sur la côte, lesquels? Sogne et Bergenzus. Sog et Bergenzus, ok, Bergen. Alors, traité de paix avec ces enfoirés de Norvégiens. Sog, je prends deux après. Je peux ouais. Te donner autre chose si tu veux. Ah non, je peux pas. Non, non, c'est tout. Ouais. De toute façon, je veux pas trop. Et moi, je demande le fric. Voilà, vas-y. Et non, il veut pas. Il me donne du fric 15, pièces d'or. Crevard. Nickel. Enculé de fils de pute. Pardon, quoi? Qu'aurais-je dit? Un truc insultant? Non, je ne vois pas. Enculé! Enculé, fils de bide! Je sais, enculé, fils de bide! Enculé, va te faire faute, enculé! Oh ouais, la pardon, le pauvre. J'ai dit quelque chose? Pas du tout. Je nie toute insulte que j'aurais pu sortir. Siège des sexes est terminé, parfois. Et Londres, elle va bientôt tomber aussi. Et ça, ça fait plaisir. Parfait, j'ai éliminé une force de 5000 anglais. Bien ça, bien. Il reste plus que les 10 000 à détruire. 11 000, pardon, ils sont 11 000 maintenant. Il reste plus que ça à défoncer. Ça fera plaisir. Ah, ça fait tellement plaisir de bouffer du roast beef. Tellement longtemps que j'attends ça. Tellement longtemps. Ah là là! Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir! Où est-ce qu'ils se replient, ces enfoirés? Ils vont se replier à Kent? Non. Bon, par contre, ceux qui étaient à Gloucestershire, je vais vous défoncer la face. Oh, ils ont réussi à se replier avant. Enfoiré, fils de pute! Ah bon? Tu gères comment tes guerres, toi? Otinvo? Moi, je détruis les armées jusqu'au bout. C'est le meilleur moyen de gagner la guerre. Godran doit être d'accord avec moi. En partie, oui, c'est vrai. Ouais. Poursuivre l'armée, c'est quand même un gros plus. Hein. Parce que tu poursuis l'armée, et quand elle a plus d'armée, c'est bon. Hein. Et après, je sais que Yovinto a quand même du niveau, donc... Ouais, ouais, mais bon, je sais pas, tu fais comment? Voilà la question, j'ai déjà posé. Mais... ou sinon, moi, ce que je fais, c'est genre, dans le cas de l'Angleterre, c'est parfait, tu fais la technique du damier, quoi. Qui va t'avancer progressivement et ça marche du tonnerre, ça. Ouais, ça marche bien, mais je préfère y aller mode. Fonce dans le tas, moi, avec les roses. Ouais, après, tu peux faire siège après siège, ouais, aussi. Ouais. Et c'est vrai que c'est bien quand tu bourrines bien l'armée adverse, en fait, et que tu t'étales sur tout le pays. Moi, j'adore ça. Ah, les Anglais, c'est bon, là, vous revenez, hein. Enfin, vous revenez, vous. De crever. Putain, 11 000 effectifs soudainement. Où est-ce qu'ils disent, d'où est-ce qu'ils viennent leurs 11 000 effectifs? Surtout que dans cette histoire, leur armée, je
je défonce sa face tout bout de champ depuis tout à l'heure. Et rien, nada.